Bonjour à tous, j'espère que vous passez un bon week-end et que tout se passe bien pour vous. Moi, c'est David Bitton, un hypno dans le salon, toujours au cœur de l'action. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu magnétisme et notamment l'utilisation d'un pendule. Donc, je vais prendre mon pendule fétiche qui se trouve ici. Oui, alors le bruit que vous entendez, c'est les bols tibétains. Mais on verra ça une prochaine fois. Donc voici un pendule. Donc pour le tenir, il suffit de le mettre comme ceci dans la main, je vous montre. Donc on casse le maillon, en fait, voilà. Et on tient le pendule et on va tenir le pendule le long du bras, comme ceci. Vous voyez? Très bien. Donc pour le paramétrer, eh bien c'est très simple. Vous avez différentes feuilles que j'ai programmées. Alors, vous avez donc non, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous avez le oui, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et vous avez le je sais pas. Donc voilà, non, oui, je sais pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va paramétrer, on lance le pendule et au bout d'un moment, il tourne vers le non. Ensuite, vous mettez votre pendule au-dessus du oui, vous lancez vers l'avant et vous avez le oui. Et ensuite, vous balancez le pendule au niveau du je sais pas, vous balancez vers l'avant. Et normalement, le pendule vous indique je sais pas. Donc, on va poser une question au pendule. Alors, je ne sais pas si je vais bien paramétrer, comme ceci, voilà. Est-ce que je m'appelle David Bitton? Je lance le pendule. Et voilà, ça fonctionne. Le pendule a répondu qu'effectivement, je m'appelais bien David Bitton. Donc, sachez quand même que, il peut effectivement y avoir une influence personnel sur le pendule. Donc quand on dit, quand on pose des petites questions simples, si je m'appelle bien comme ceci, si j'ai bien tel âge, ça fonctionne. Après, très clairement, ne cherchez pas les chiffres du loto ni de l'euro million. Vous allez avoir une influence consciente ou inconsciente qui va vous influencer sur des chiffres que vous aimez. Très clairement, pour soi-même, ça ne fonctionne pas. En général, ça va plus fonctionner par rapport à des personnes que vous ne connaissez pas, pour qui vous n'avez aucun intérêt, et donc vous ne serez absolument pas influencé par une réponse ou par une autre. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end, j'espère que vous avez aimé cette petite session pendule, et je vous dis à très bientôt dans un prochain Hypno dans le salon. Bon week-end à tous, ciao ciao!